Essai numéro 7. Frottement sur une arête vive de la corde tendue par une masse de 80 kg qui oscille latéralement. Après 14 mouvements, la gaine se déchire et glisse en faisant descendre la charge. Après 4 mouvements de plus, la gaine est totalement déchirée. Au bout de 41 mouvements, les torrons de lame cèdent. La rupture est totale à 50 mouvements.